Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le One Stroke tout rose que j'ai réalisé. Donc pour cela, j'ai utilisé de la peinture acrylique PBO magenta primaire et de la peinture acrylique blanche de la marque Raphaël. Donc dans un premier temps, on va créer son propre rose. C'est vrai que moi, je préfère mélanger moi-même les couleurs. Je trouve qu'on obtient vraiment la couleur qu'on souhaite et les couleurs sont plus intenses. Donc j'ai pris un tout petit peu de rouge pour beaucoup plus de blanc. Et donc on va venir bien mélanger pour homogénéiser la couleur. Pour ce one stroke, je me suis servi d'un pinceau plat biseauté et ici j'ai uniquement trempé la pointe de mon pinceau dans la peinture acrylique rouge. De cette façon, la bordure en rouge est très très fine et c'était vraiment l'aspect que je voulais donner à ces fleurs. Je vais ensuite venir réaliser des fleurs à 3 pétales. Donc ici, le fonctionnement est exactement le même que pour le one stroke hivernal. Donc je vous mets le lien en annotation si vous n'avez pas vu la vidéo et si vous avez envie de la voir. Et ici, je vous montre comment est-ce que j'essuie mon pinceau lorsque je nettoie mon pinceau en fait à l'eau. Je vais juste le faire passer d'un côté puis de l'autre sans insister. De cette façon, le pinceau sera suffisamment hydraté, mais pas trop. Ensuite, à l'aide d'un pinceau fin et de la peinture acrylique rouge, je vais venir redessiner le pourtour de mes pétales. Donc pour cela, je vais vraiment rediluer un peu la peinture. Il faut vraiment qu'elle soit malléable et qu'on puisse venir tracer un trait sans avoir à retremper le pinceau dans la peinture à chaque fois. Avec un dotting tool, je vais venir tracer de petits pois au centre de ma fleur. Donc pour cela, je vais rediluer un petit peu ma peinture blanche. Si vous l'utilisez telle quelle, c'est vrai qu'elle aura tendance à être pâteuse et vous faire de gros pois. Donc vous pouvez de préférence la rediluer un petit peu. De cette façon, vous aurez de petits pois bien ronds. Donc ensuite, j'ai réalisé de la dentelle fine sur le pourtour de la cuticule. Donc pour cela, j'ai utilisé la peinture rose que j'ai utilisée au départ pour faire mes fleurs. Et j'ai réalisé de petits arcs de cercle. Donc j'en ai réalisé deux par deux. Et à chaque fois, en fait, je pars du milieu de l'arc pour continuer à nouveau. Et j'ai parfois utilisé de la peinture acrylique rouge. Sur tout le bord de la dentelle, j'ai pris de la peinture rose et blanche pour faire de tout petits traits qui suivent en fait vraiment le pourtour de la dentelle pour lui apporter un peu plus de finesse. J'ai dessiné un pistil à ma fleur avec un pinceau fin et de la peinture rouge et avec la même couleur, j'ai réalisé de petits pois tout autour pour faire des grains de pollen. Je pose une bonne couche de mon top coat préféré, donc c'est le One Chip de la marque Orly, et j'oublie vraiment pas les recoins pour éviter que la déco ne parte. Voilà, bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ah, je crois qu'Azuki a quelque chose à vous dire.